dans une société qui est de plus en plus malade, où la haine et l'intolérance semblent être les chemins parcourus, les plus parcourus, la poésie peut-elle offrir des solutions? Bon, je voudrais le penser. Je voudrais le penser et je crains qu'il n'y en ait pas d'autres. Vorrei pensarlo e temo che non ci siano altre soluzioni. À travers vos lyriques, vos poèmes, vous avez raconté les interrogations de l'âme humaine. L'avènement de toute cette technologie nuit-il à l'homme et à son âme? Oui, bien sûr. Je pense que un des grands désastres de la société, c'est la primauté que prend de plus en plus les produits industriels, les produits commerciaux. On nous oblige à les aimer alors qu'on peut évidemment, si naturellement, s'en passer. Et du coup, on perd le contact avec les grandes choses simples du monde naturel. Voilà le cœur même de notre souci. E purtroppo è vero, assistiamo al primato delle tecnologie e della società dei consumi. A volte ci sentiamo quasi obbligati a consumare degli oggetti, delle cose, delle tecnologie, anche se magari dentro di noi non c'è la necessità di farlo. In questo modo si è perso il contatto con le cose vere, essenziali della vita. La grappa, Nonino, vous inspirerait-elle quelques vers? Dans l'un de vos poèmes, étant donné le fort lien avec le territoire et les sentiments que l'eau de vie, la grappa, peut évoquer? Ah, ça, de toutes les questions, c'est la plus difficile, car on ne contrôle pas du tout ce que l'on écrit. Écrire passe à travers l'inconscient et remonte de l'inconscient. Il se peut que je retrouve au fond de mon inconscient la charmante grappa. Nonino, ma come savoir? Questa fra le domande è la più difficile, in effetti. È possibile che io trovi nel fondo della mia anima una sorta di eco suscitata da una bevanda come la grappa, però è difficile controllare quello che può sgorgare dalla propria anima, dal proprio cuore, scrivendo dei versi. Forse, chissà, potrei anche scrivere delle cose sulla grappa.